nom de la Fédération tunisienne des agences de voyage, nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui notre grande famille du tourisme tunisien, quasiment au grand complet, pour débattre de notre quotidien professionnel et de ce qui nous préoccupe. J'aurais tant souhaité que ce séminaire soit placé sous le signe de l'optimisme, de la confiance et de la sérénité. Malheureusement, ce n'est pas aussi évident. Étant donné la situation que vous connaissez tous, qui prévaut au départ de nos principaux marchés émetteurs. Les terribles événements qui touchent actuellement ce monde, devenus tellement irrationnels, sont en train d'impacter directement notre industrie touristique et nous en payons tous les conséquences. Comme je me plais à le dire à chaque séminaire, les représentants de l'entité sont nos yeux et nos oreilles à l'étranger. Ils sont aussi nos ambassadeurs qui prêchent la bonne nouvelle, du moins dans la mesure de leurs moyens. Je pense que l'heure est venue d'adapter les discours à la réalité de la conjoncture, d'adapter une stratégie de communication de crise et de s'orienter vers de nouveaux canaux. Je pense par exemple à la société civile, qui, en Occident, pèse énormément en matière de lobbying. Je pense aussi aux Tunisiens résidant à l'étranger. La défense des intérêts pourrait notamment passer par cette voie-là. Et suite à notre dernière participation à l'ITB Berlin, et lors d'une rencontre avec le président et le secrétaire général de l'ECTA, dont l'AFTAV est membre, il nous a été signalé que la saturation de la capacité hôtelière des destinations au sud de l'Europe va probablement engendrer des transferts de clientèle dont nous pourrions bénéficier cet été. En tout état de cause, notre famille touristique doit aujourd'hui se serrer les coudes. Comme dans une grande famille, nous devons être solidaires les uns des autres dans cette conjoncture que le tourisme tunisien n'a finalement jamais vécue. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous un bon séminaire.